Justement, ce n'est pas par hasard du tout que j'ai contacté Siros, parce que Siros, c'est bon, entre autres, quand même connu pour, pour ses collections de romans policiers pour la jeunesse, que ce soit Souris Noire et depuis peu de temps Rat Noir, d'une part, et aussi pour, je dirais, un certain engagement de la collection, une certaine volonté de faire réfléchir les lecteurs, de les faire prendre conscience du monde qui nous entoure. Le policier, le polar est une voie possible, la science-fiction en est une autre. Radicalement différent, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'explorer le présent, mais en fait, en faisant ce détour par le futur, c'est pour mieux analyser, pour mieux comprendre le présent. Parce que, en fait, le futur est en germe dans le présent. Donc, il y avait réellement une cohérence, une logique de proposer une collection de science-fiction, d'anticipation, aux éditions Siros, qui prendrait place aux côtés de Souris Noire et de Rat Noir.